Chaque intrusion dans ce domaine est plus facile pour vous que la précédente. Je vous sens en mouvement dans le réseau Vex, tout comme eux. Vous n'êtes plus l'envahisseur. Vous faites partie du système. J'espère que, comme vous changez cet endroit, il ne vous changera pas. Une nouvelle purge traverse le réseau. Faites attention. Les boyaux de cette dimension digèrent tout leur contenu. Tout ce lieu cherche à vous faire disparaître. Vous allez devoir trouver une défense contre les forces d'éradication et d'entropie qui sont à l'œuvre ici. Nous avons réveillé l'esprit oppresseur. Détruisez-le! Nous réussissons pour la troisième fois. Et pourtant, rien n'a changé avec la nuit sans fin. Pourquoi cela, Mécrax? Chaque fois que le gardien détruit un esprit Vex contrôlant un domaine, les Vex survivants se chargent du fardeau qui reste. Et combien pensez-vous qu'il reste de ces esprits pour partager ce fardeau? Cela n'est pas clair. Dans ce cas, nous devrions nous atteler à trouver l'esprit Vex central qui les guide. Osiris, cela avance-t-il? Lentement. Lakshmi et les symbiotes de Mitrax travaillent assidûment sur les données récupérées par le gardien. Mais l'esprit Vex à l'origine de la nuit sans fin continue de nous échapper. Nous devons agir vite. La simulation draine l'énergie de la cité. Je ne resterai pas sans rien faire pendant que nos civils continuent de souffrir. Ikora, je compte bien y remédier. Nous travaillerons plus dur. Nous trouverons un moyen. La lumière nous éclaire.